Strasbourg-ASVEL, le choc de ce premier jour à la Leaders Cup. Watkins qui marque. Compliqué hein, ce tir de Larry Watkins face à un très bon contreur qui est Darion Atkins. Sur les 4 premières minutes et qui perd la balle. Et là 2 contre 1 avec Logan qui se protège. Qu'est-ce que c'est fort, la maîtrise. Ah oui. La maîtrise et le contrôle de soi en l'air pour David Logan. Dibost et le Giloche, non ? Ah oui, voilà. David Logan. Long de Marcus Nelson. Il est passé la faute et le panier. Début de match compliqué, Damien Gliss qui perd une balle d'entrée et qui l'a fait la faute. Ils sont bien en place défensivement, hein, les Strasbourgeois. Et le shoot à 3 points. Ok, Charles, d'accord. Et on voit son geste derrière en disant, bon, je prends quand même. Nelson. Nelson qui essaye de se protéger et ça finit dans le cercle. Alpha Kaba, belle entrée. Très belle entrée d'Alpha Kaba. Kings, Dibost à 3 points. Lui, en revanche, il fait filoche. Oui, très bien en ce moment. Très, très bon, Dibost. Et de l'autre côté, le shoot à 3 points de Marcus Nelson. Robertson ressort pour Charles Cahudi. Le shoot à 3 points de Charles Cahudi. Boum! Encore lui! Ah! J. Slaughter. Slaughter à l'opposé, il y a David Lighty. Slaughter arrive au cercle, il marque avec la faute. Et un petit lancé derrière. Il faut quand même faire cette remise en jeu dans les 5 secondes, sinon c'est balle perdue. Le shoot de Dibost rapide. Oh là là, vous avez raison qu'il est bien. Ah oui, il est bien. Charles Cahudi bien, la petite fin de passe pour le shoot derrière. Kaba. Ah, c'est bien défendu en revanche. Hein. Sur Alpha Kaba et le shoot dans le corner à l'opposé pour le AJ Slaughter. Et l'ASVEL est devant pour la première fois du match. La dureté de Flovetrus. Et le shoot en bout de chaîne. Et oui, impeccable. Justin Harper, c'est sa spécialité en bout de chaîne. Ludovic Burst, il est sous pression. Au mieux qu'il la lâche, il l'a lâché. Damien Gliss à 3 points. Ça va mieux pour Damien Gliss après le panier contre-attaque qui marque maintenant à longue distance. Récupéré par DeMarcus Nelson. Harper, de l'autre côté. Nicolas Lang, il est passé. Oh, joli! Zach Wright, voilà. Et qui perd la balle de Marcus Nelson. De Marcus Nelson qui la met en l'air pour Alpha Kaba. Et bien il s'est passé plus de choses dans le troisième quart-temps que dans toute la première mi-temps. AJ Slaughter à 3 points. AJ Slaughter face à son ancienne équipe. Alors, est-ce qu'il va lui faire la même? Partir de l'autre côté? Il est parti de l'autre côté et il marque! Ah là 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 là. Il reste 5 minutes dans ce match. Robertson a 3 points, oui, personne ne vient sur lui et il le met! Jean Robertson! Et Vincent Collet arrête le match. L'ASVEL qui refait un petit plus 4. Dibost qui marque à 3 points! Lighty, oh, qui a du monde sur le chemin, c'est compliqué. David Lighty, deuxième shoot raté. Oh, la vitesse de Dibost qui va au bout. Oh, il a remonté le terrain en 2 secondes et 7 dixièmes. Le gaz qu'il a. Waouh, quel passage énorme de Dibost. Regardez Dibost, c'est-à-dire que même au ralenti, on a l'impression que c'est vitesse réelle quand même. Hein. Slaughter, il est passé et il marque avec la faute. Jadkins le lancer derrière. Zach Wright bâché sur le drive. Oh la rage de Charles Cahudi. Dibost qui parle. C'est terminé et l'ASVEL va sortir l'équipe en forme du moment. Strasbourg qui restait sur 10 victoires consécutives. Grosse perf de Villeurbanais, les Strasbourgeois avaient l'étiquette de favori sur cette compétition. Et les Villeurbanais ont remis la tête à l'endroit après le premier quart-temps difficile avec un grand,
Franc et Gilles Slaughter. Il avait mis quoi? 2 points à la mi-temps, hein, c'est ça? Je crois, ouais. 18 en deuxième.